Salut tout le monde, ici Stéphane Watt du 83, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22, épisode 2 de la carrière manager avec Arsenal, une carrière manager qui a connu plusieurs changements déjà, puisqu'on est passé en 3-5-2 avec un style de jeu bien à nous, un style de jeu très offensif, un petit peu à la Marcelo Bielsa, pas aussi fou non plus, mais qui ressemble un petit peu, il y a une petite ressemblance, puisque cette fois-ci on va partir sur un gegenpress, non pas un pressing constant pendant 90 minutes comme le fait Bielsa, mais un gegenpress, c'est-à-dire un pressing à la perte de balle pendant quelques secondes. Et dans ce laps de temps, l'objectif est de récupérer le ballon. Voilà, c'est vraiment un style de jeu très très risqué, très très offensif. Le but est de faire plaisir aux supporters des Gunners qui retrouvent la joie de supporter leur équipe. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, c'est pas terrible niveau jeu et c'est pas terrible niveau résultat. Alors à la limite, quand il n'y a pas le jeu, mais qu'il y a les résultats, un petit peu comme avec Christophe Galtier à Saint-Etienne, on aime. Parce qu'on kiffe quand même, il y a quand même les résultats, on sent une équipe qui a envie. Alors quand il n'y a ni jeu ni résultat, je peux vous dire que c'est terrible de supporter une équipe, justement comme la SSE ces derniers temps avant le derby. Ok, donc cette carrière avec Arsenal, les amis, il y a eu quelques changements au niveau mercato également. Donc comme vous le savez, j'étais très intéressé par des joueurs d'Amérique du Nord. Donc j'ai décidé d'en recruter 3, comme je l'avais prévu. J'ai également vendu 3 joueurs, plus que ça même, plus que ça, on verra ça ici. Donc j'ai vendu Kolasinac qui retourne en Allemagne, il me semble qu'il l'était avant. Hein. Il retourne à Wolfsburg pour 5 millions d'euros. Cédric vendu à Everton pour 7 millions d'euros. J'ai acheté un milieu droit qui sera le remplaçant de Nicolas Pepe, Roberto Alvarado, qui arrive de Cruz Azul pour 20 millions d'euros. J'ai acheté Vinas qui arrive de América pour 12 millions d'euros. J'ai acheté Montes, la dernière recrue, donc un défenseur central qui arrive d'un club de Monterrey. Pour 12 millions d'euros, et j'ai vendu Tierney, donc vraiment la grosse vente hein, de ce mercato, à Manchester United pour 40 millions d'euros. Voilà, Arsenal c'est un club qui n'a pas spécialement besoin d'argent, mais je trouve que par rapport aux résultats qu'on a et par rapport à la compo dans laquelle je joue, il était inutile de garder un joueur et de bloquer Tierney à Arsenal. Donc voilà la grosse vente du mercato. Et la dernière, c'est la vente d'Holding, qui peut surprendre également à Leicester pour 14 millions d'euros, mais c'est pareil, aujourd'hui il faut se poser les bonnes questions, et la bonne question c'est est-ce que Holding, est-ce que Leicester n'est pas un plus gros club qu'Arsenal, et est-ce que passer de Arsenal à Leicester aujourd'hui, ce n'est pas passer un cap dans sa carrière? Eh ben, je me pose cette question-là, moi, et du coup, ma réponse, ça a été oui. Je pense que passer d'Arsenal à Leicester aujourd'hui, c'est passer un cap dans sa carrière. Donc c'est ce qu'on va essayer de changer, hein, bien évidemment, mais pour l'instant, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, au jour J, à l'instant T, c'est un cap. Donc j'ai décidé d'accepter cette offre de Leicester pour Holding. Donc voilà, la compo les amis, du coup avec le départ d'Holding, c'est Chambers que j'ai passé en défense centrale et qui va prendre sa place, l'ancien vraiment hein, d'Arsenal, donc qui jouera dans l'axe de cette défense, il sera accompagné de Gabriel et de White, Leno dans la cage ça bouge pas, Xhaka est parté en 6, Odegaard en 10, je compte beaucoup sur lui, hein, énormément sur lui pour ce projet, Nicolas Pepe sur le teco droit, Saka sur le teco gauche, et Aubameyang et Lacazette en attaque devant buteur. Aubameyang qui a déjà perdu un point, mais ça bouge pas, ça reste le capitaine, et je compte énormément sur lui également, d'autant plus qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe, donc malgré son âge assez avancé, il pourra nous apporter. Il ne sera pas énormément fatigué. Alors, là il nous parle de la pré-saison. Donc l'intersaison aura-t-elle un impact sur l'équipe pour le premier match à enjeu? On doit apprendre de nos erreurs. Je trouve qu'on n'a pas fait une intersaison exceptionnelle, mais voilà, on va essayer d'apprendre. Et ça va être l'objectif. Donc apprendre, revisionner les erreurs qu'on a pu faire durant ce tournoi d'avant-saison et essayer de corriger tout ça. L'équipe saura-t-elle gérer la pression et se qualifier pour la Ligue des Champions? La qualification est essentielle pour un club comme Arsenal. Voilà, c'est un club qui veut figurer parmi les meilleurs, qui se doit de jouer la Ligue des Champions, selon moi, un club de cette rampe-là chaque saison. Donc on va essayer de remettre Arsenal sur le devant de la scène en visant la Ligue des Champions dès la première saison. Montes va-t-il faire ses débuts? Ce n'est pas le bon moment, je pense. Je vais être clair, hein, je ne vais pas mentir, ce n'est pas le bon moment. Il n'est pas prêt encore une fois. Pour l'instant, les 3 recrues ne seront pas titulaires, pas du tout. Déjà, il y en a 2 d'entre elles qui sont arrivées pour être remplaçantes. Montes, à l'avenir, pourrait éventuellement, et encore, j'enchaîne bien sur le mot éventuellement, j'insiste bien sur le mot éventuellement, prendre une place de titulaire, mais c'est loin d'être gagné, et ce sera sûrement pas le cas actuellement. Il sera remplaçant Montes, parce que c'est des joueurs qui arrivent d'Amérique du Nord, et ils arrivent de très très loin, quoi. Ils découvrent ces joueurs-là. Donc voilà,
Le 11 type, ça bouge pas les amis, on est prêt. Première journée de Première Ligue, déplacement à Molton Road, à Brentford. C'est parti. Objectif, victoire. Et le ballon pour Wissa. Jensen. Johan Wissa qui serait peut-être l'ancien Lorienté. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Il est parti Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang. Il va servir Alexandre Lacazette pour la première occasion de cette rencontre. Alexandre Lacazette, 5ème minute de jeu Arsenal, ouvre le score à Brentford. Alexandre Lacazette, le style de jeu qui d'entrée fait une première différence. Les deux buteurs, le duo d'attaque, Lacazette Aubameyang, moi je suis persuadé qu'il peut fonctionner ce duo là. Et pour l'instant il me prouve que oui, passe des d'Aubameyang, but de Lacazette sur ce tir croisé. Oui, Alexandre Lacazette a encore de beaux restes. Les Gunners mènent 1-0 à Brentford après seulement 5 minutes de jeu. Ça démarre très très fort cette saison. Avec Aubameyang. Aubameyang qui se retourne. Aubameyang qui va chercher peut-être Lacazette. Non, Aubameyang qui va tenter son premier tir de cette rencontre et gagner un corner. Corner pour Nicolas Pépé et les Gunners. C'est tiré vers Aubameyang. Ce sera repoussé. Chambers pourrait être le premier qui remet pour Lacazette. C'est bien joué. Lacazette qui tire, c'est contré et ce sera capté. Raya, Lacazette qui a vu Aubameyang partir tout à l'heure, c'était Aubameyang qui avait fait partir Lacazette, là c'est Lacazette qui fait partir Aubameyang, le face-à-face est gagné par Raya avec Saka. Xhaka maintenant, Xhaka qui redonne à Saka. Saka qui est enfermé, qui ressort sur Xhaka de nouveau, Odegaard. Lacazette ressort sur Odegaard qui casse pour Aubameyang, qui tire, c'est contré, ça rentre quand même. Ça rentre quand même pour Pierre-Emerick Aubameyang. 2-0 Arsenal, double la mise sur la pelouse de Brentford. Un petit peu de réussite, c'est vrai, mais on a vraiment bien construit cette occasion. Et ce 2-0 est plutôt logique, je trouve, au vu des occasions. J'ai eu peur qu'il soit hors jeu, hein, Aubameyang. Mais je crois que son tir, il a en partie contré là, par le défenseur. C'est très bizarre. Ah oui, c'est même le défenseur qui la met carrément dans la cage, et il accorde... Ah ouais, c'est un CSC, c'est pas Aubameyang. Il devra patienter encore pour son premier but de la saison, l'ancien Stéphanois. Peut-être maintenant, parce que Brentford est en grande difficulté. En très très grande difficulté. Et Arsenal est très très bien dans cette rencontre. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang pour Nicolas Pépé, 3-0. 3-0 Nicolas Pépé. Le 3-0 pour les Gunners. Match très 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 compliqué pour Brentford. Et quant à nous, bah on est en train de se régaler les amis, vraiment. Je pense que c'est le match le plus accompli pour l'instant que j'ai fait sur, sur FIFA 22. Hors vidéo et en vidéo confondu. Excellent. Bien joué ça. Bien joué avec Thomas Partey. J'ai vu Saka à l'autre côté. Oh, elle est dure, Saka qui la reprend. Ouf, c'était osé. L'arrêt du gardien, et ce sera un corner pour Martin Odegaard. Avec la tête, et le 4-0. Pierre-Emerick Aubameyang, ça y est, il a mis son but Aubameyang. Il l'a mis enfin. Premier but de la saison pour lui aussi. Arsenal est en train de se balader sur la pelouse de Brentford. Et je peux vous dire que si on joue comme ça toute la saison, eh ben on va être très très dur et très très chiant à jouer. On va être très très dur à aller chercher et très très chiant à jouer. Mais voilà, la régularité, ça va être le mot-clé. Une équipe autant en difficulté. Attention, l'erreur de relance là de Chambers. Est-ce qu'il est hors jeu? Non. Il va falloir la rattraper. Bien joué Ben White qui rattrape l'erreur du collègue. Et Nicolas Pépé pour la contre-attaque. La vitesse de Nicolas Pépé. Nicolas Pépé qui est inarrêtable. Nicolas Pépé qui est monstrueux. Nicolas Pépé qui va servir Saka. Non, Saka, quel but! Quel but de Saka! Les deux flèches, vous l'avez dit au premier épisode, c'était là. Peuvent faire très 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 mal. Saka, Pépé, le duo incroyable. Quelle accélération de Nicolas Pépé. On retrouve vraiment le Nicolas Pépé du LOSC là sur ce genre d'accélération. Et Saka qui vient finir. 5-0 pour les Gunners alors que Alvarado va remplacer Saka pour les dernières minutes de cette rencontre. Nicolas Pépé très fatigué avec Partey. Lacazette. Lacazette pour le 6ème but. Repoussé, ça revient. Alvarado, il allait tenter un truc là, j'ai vu. Aubameyang repris. Et c'est fini, ça y est, victoire 5-0 à Brentford pour les Gunners. Très très beau
Premier match, très très belle rencontre. Et on voit que j'ai laissé la possession à l'adversaire, ça c'est prévu, hein, j'ai envie de vous dire les amis. J'ai jamais eu joué avec la possession sur FIFA, j'aime pas trop ça. Par contre, 9 tirs à 0, voilà ce qui compte pour moi, c'est les occasions. Donc au niveau des chances de but, on en est à 2,9, ils en sont à 0, voilà ce qui compte hein, pour moi. Encore une fois, on a été très réaliste. 57 passes seulement effectuées dans le match. 57 passes les amis effectuées dans le match, vous vous rendez compte? Et 5 buts inscrits. Ce jeu de contre-attaque qui me réussit si bien. Que pensez-vous de la victoire pour votre premier match? Les gars se sont donnés à 100%. Je vais pas dire qu'il y a encore du boulot, même si c'est le cas, j'ai pas envie de les vexer parce que là ils ont vraiment très bien joué. Pourquoi ne pas avoir fait débuter mon test? Je vous l'ai dit avant le match les gars, sans déconner, oh les journalistes. On a besoin d'un temps d'adaptation à ce pays. Une autre culture. Et là où Ben White par exemple, qui vient aussi d'arriver, si je me trompe pas en tout cas, ou alors il est arrivé il y a un an, je sais plus, faut que je vérifie ça. Mais en tout cas lui, il sort d'Angleterre, donc il connaît ce pays, il est chez lui, donc lui peut démarrer titulaire. Et il faut garder le rythme pour lui, absolument rien lâcher. Et continuer comme ça, comme toute l'équipe, hein, faut garder le rythme. Donc voilà les amis, moi je vous retrouve pour la deuxième journée de ce championnat de Première Ligue, ce sera face à Chelsea, et regardez les deux derniers matchs qu'on va jouer. Ça va être très très chaud, c'est parti. Allez, on est parti donc pour la conférence de presse pour ce match, ce choc, ce derby, ce match de rivalité, ce choc face aux Blues de Chelsea, qui ont fait match nul lors de la première journée contre Crystal Palace, ils ont fait 3-3 à Stamford Bridge. Autant là, il y a eu du spectacle. Autant je pense que c'est un mauvais résultat, il me pose encore la question hein, sur mon test. Ah bah c'est les médias, ils veulent, voilà, ils veulent créer des tensions entre lui et moi, forcément. Donc encore une fois, il a besoin d'un temps d'adaptation. Je vais pas changer ma réponse. Pensez-vous que votre adversaire Chelsea s'inquiète compte tenu de notre premier match, j'imagine. Ne pas tenir compte de l'adversaire. Je m'en fiche un peu s'il s'inquiète ou pas, honnêtement les amis. S'il s'inquiète, tant mieux, hein, mais j'en ai un peu rien à faire. Allez-vous vendre des joueurs d'ici la fin du mercato? C'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Je pense qu'on a un effectif suffisant. Donc je veux plus de recrues et je veux même vendre. Donc je ne l'ai pas dit mot pour mot, mais je pense l'avoir fait comprendre très clairement. Puisque je veux pas non plus vexer l'effectif. Au niveau de la compo, personne n'est un petit peu fatigué, donc on change rien. Et on joue encore une fois une défense à 5. Ça me surprend un petit peu, j'aurais bien inversé Azpilicueta et Rhys James du côté de Chelsea. Ce choix-là me surprend un petit peu et peut-être Mason Mount et Hakim Ziyech. J'aurais peut-être mis Ziyech AD et Mason Mount MC. Bref, on verra si ces choix de Thomas Tuchel vont être gagnants. C'est parti à l'Emirates, c'est jamais. Sur la première saison, ça va quand même être très très dur. Un projet, un truc pas comme ça. Allez, Nicolas Pépé. Nicolas Pépé qui est parti. C'est plus Brentford là, c'est une autre cadence. Hein. C'est Chelsea. Pépé qui tire. Nicolas Pépé. Nicolas Pépé, 6ème minute de jeu. Et Arsenal ouvre le score. Quel but de Nicolas Pépé. Ça me surprend quand même. Hein. Je pensais vraiment qu'Edouard Mendy était dessus. Mais c'est vrai que les enroulés sont un peu plus cheat sur FIFA 22. Et je pense qu'il peut quand même la sortir. Hein. Surtout un gardien de la trempe d'Edouard Mendy. Mais ça reste quand même un très beau but de la part de Nicolas Pépé. Arsenal met 1-0. Et continue sur sa lancée. Dès la 5ème minute de jeu, on ouvre le score. C'est encore Pépé qui marque, comme à Brentford. Partez avec Pépé. Pépé qui va enrouler. Ouf, c'est compliqué encore. Chaka devant Lukaku, bien joué ça. Allez, faut y aller Pépé, dommage. Aubameyang. Chaka encore. Aubameyang, oh oui. Oh oui, on avait marqué en début de première période, on marquera en début de seconde période. Pierre-Emerick Aubameyang, quel but. Le même un petit peu que celui de Nicolas Pépé. La remise et l'enroulé qui bat
Edouard Mendy, 2-0 pour Arsenal, deuxième but de la saison pour Aubameyang. Thiago Silva avec N'Golo Kanté. Bien joué ça Odegaard, bien joué, excellent. Martino Odegaard avec Aubameyang. Aubameyang pour Saka. Saka, Saka pour Lacazette, Lacazette, 3-0 à l'heure de jeu. 3-0 pour les Gunners. Le Mirage explose. Waouh! Incroyable! Quel jeu! Quelle efficacité! Quel spectacle! C'était tout ce que je voulais, tout ce que je vous ai décrit au début de l'épisode 1 et au début de l'épisode 2. Tout ce que je voulais avec cette équipe d'Arsenal, pour l'instant, on est en train de le faire. Et en plus, et ça je m'y attendais pas spécialement, on est solide défensivement. Deuxième but de la saison, il me semble, en tout cas pour Lacazette. Ça fait 8 buts en 2 matchs, 8 buts. Alors, je sais pas comment ça va se passer à City, mais alors si on gagne, on se place vraiment comme un des sérieux prétendants pour la place dans les 4 premiers et la place en Ligue des Champions. Il va falloir revenir retrait, Thomas Partey. Dommage. Kayavert encore. Lukaku. On va encaisser le premier but de la saison. On finira par l'encaisser sur ce tir de Romelu Lukaku. À 10 minutes de la fin, Chelsea réduit l'écart et revient à 3 buts à 1 malheureusement. C'est dommage, il va aller célébrer ça avec Thomas Tuchel. Surprenant. Thomas Tuchel qui n'est pas dans FIFA d'ailleurs. Ça aussi surprenant. Attention, plus que 3-1 pour les Gunners. Et le voici Alvarado. Et le voici, le gaucher Alvarado. Oh là 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 là, il tape le poteau, dommage. Dommage Alvarado. Ça aurait été beau pour sa première à l'Emirates. Bien marqué, la fête là serait carrément complète. Attention, faut pas qu'il remarque un but. Hein. Oh là 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 là, on se fait peur. Voilà, ça c'est une équipe d'Arsenal complètement folle. Ça va être les côtés négatifs un petit peu. Le côté négatif du moins de ce style de jeu qu'on veut mettre en place, très 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 offensif, c'est que des fois, ça peut exploser. Il y aura des matchs comme ça qu'on ne saura pas spécialement gérer. Quand on mène 3-0, ce sera jamais fini. Lukaku claque le doublé, Chelsea revient à 3-2. On va trembler pendant 5 minutes, si ce n'est plus. Smith Rowe remplace au Odegaard. Il va falloir être solide encore un petit peu, champion. Allez les gars, faut tenir. C'est important, faire preuve de caractère. Faut pas prendre le troisième. Oh, Bernd Leno, le corner, attention. Oh là là, on tremble. Azpilicueta, second poteau. C'est repoussé, ça revient à la dernière pour Pulisic. Azpilicueta, le ballon. Et Bernd Leno encore. L'Emirage qui est en train de siffler pour demander la fin du match. Azpilicueta. La remise, Nicolas Pépé siffle à un moment donné, merci, yes, victoire, 3-2, ouf, 96e minute de jeu, ce match est fini, le sort de ce match est scellé, on l'emporte face à Chelsea, on a énormément tremblé sur la fin de la rencontre, mais on a tenu, et ça fait 6 points en 2 matchs. Alors, pourquoi ne pas avoir fait débuter mon test? C'est pas possible. Oh là là. Il a besoin d'un temps d'adaptation. Je changerai pas mes réponses, hein. Franchement. Le dernier but vous a-t-il inquiété? Honnêtement, aucune de ces réponses ne me convient parce que oui, ça m'a inquiété. Donc, pas de raison de s'inquiéter, mais bon. Je suis pas forcément d'accord. Mais j'étais obligé du coup. Parce que l'adversaire n'était pas coriace s'ils étaient coriaces. Que pensez-vous de Aubameyang? Je mérite une louange, c'est le capitaine de cette équipe, c'est un joueur fantastique. Thank you. Et je veux absolument le garder avec moi. Donc voilà, moi je vous retrouve les amis pour le dernier match face à Manchester City. Et regardez, on est premier, on va jouer le deuxième. Ça va être très intéressant. Allez, c'est parti les amis pour ce déplacement à City, on va aller vérifier ça. Pas ici, peut-être ici, non, bon je sais pas, en tout cas on verra ça si c'est un déplacement ou pas. Pour l'instant, conférence de presse avant cette rencontre, logiquement c'est un déplacement.
Résultat du dernier match va-t-il affecter votre stratégie pour cette rencontre? La fin du match? Non. Non, non, non. Rien du tout va affecter ma stratégie. En revanche, j'aimerais bien qu'on corrige ce qu'on a fait durant les 20 dernières minutes. Et ce qui s'est passé, c'est pas vraiment normal. Donc, une victoire serrée est quand même riche d'enseignements parce qu'on a quand même fait preuve de caractère. On va pas se le cacher. Allez-vous vendre des joueurs d'ici la fin du mercato? On a un effectif suffisant, donc oui, encore une fois, je le répète, j'espère. J'ai mis plusieurs joueurs, plusieurs jeunes, notamment sur la liste des transferts, et j'espère pouvoir les vendre parce que je compte pas du tout sur eux, sur un projet en deux saisons. C'est pas du tout le cas et je compte m'en débarrasser. Alors en face, Manchester City. Part sur un 4-3-3 avec Zinchenko latéral droit et pas latéral gauche et Cancelo latéral gauche et pas latéral droit. Guardiola qui décide d'inverser les deux. C'est très intéressant hein, comme choix. Puisque en fait là on va avoir des latéraux qui vont rentrer intérieur, qui ne déborderont pas sur le côté mais qui vont entrer dans l'axe pour jouer sur leur pied fort puisque Zinchenko est gaucher et Cancelo droitier. Bernardo Silva, MC, De Bruyne aussi, Fernandinho en capitaine, qui jouera en 6, Gabriel Jesus devant, Sterling Marès sur les côtés, et Ederson comme d'hab dans la cage. C'est parti à l'Etihad Stadium. Bien joué, ça, attention, parce que là, c'est peut-être aussi au-dessus de Chelsea, je sais pas, oh là 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 là, bah là on prend le premier but, on avait marqué dès le début de rencontre, lors des deux premiers matchs, là. C'est notre adversaire qui marque dès le début de rencontre. C'est terrible, on n'a même pas eu le temps de rentrer dans ce match qu'on se fait taper dessus par City et par Raheem Sterling. 1-0. Allez, Saka. Je vais faire Aubameyang avec Saka encore. Allez, Saka qui est sur le côté, Saka qui passe. Saka avec la casette, dommage, c'est arrêté. Ça va revenir peut-être sur Nicolas Pepe, la partie pour être le premier. Et on les force à dégager. Quelle occasion, dommage. Allez, on montre qu'on est dedans. C'est bien là, cette occasion. Ça me plaît. Saka avec Aubameyang qui se retourne. Il sert Saka de nouveau. Ça joue très très bas du côté de City. Ça me surprend un petit peu, je vous avoue. C'est bien joué, allez. C'est bien là ce qu'on montre. Gros caractère vraiment depuis l'ouverture du score de City. On montre qu'on est présent, on a plusieurs occasions, on mériterait de revenir à un but partout. Et si on continue, je suis sûr que ça va rentrer et qu'on sera récompensé. La casette, Aubameyang avec Saka. Saka qui tire, et cette fois-ci, ah, c'est Ederson maintenant encore. Allez, corner pour Nicolas Pepe. La casette, on la remet pour Odegaard. On décide de changer de côté, on va essayer de la recentrer les amis. Encore pour Odegaard, la remise pour Gabriel. On est complètement fou dans notre style de jeu là. Sterling qui. Ah, il est passé Sterling. Aïe, De Bruyne. Bien joué, Leno. Super. Super. La relance, elle était pas là. Et voilà le ballon pour Chaka que je voulais. Ah, mais t'es en jeu, Aubameyang, depuis tout à l'heure. J'attendais qu'il se replace. Il n'a pas voulu. Nicolas Pepe avec la casette, allez. La casette vers Aubameyang. Aubameyang qui tente et encore Ederson. Nouveau corner pour Arsenal, allez. Allez, il faut rien lâcher, Odegaard. Vers la casette. Et toujours Ederson qui capte ce ballon. Et on gagne de base. Allez, faut y aller Pepe là, c'est pas la première fois qu'il me fait la feinte. Faut vraiment y aller à un moment donné. Nicolas Pepe qui revient à l'intérieur, qui enroule. Ah, Ederson encore. Ah, il me rend fou lui, hein. Il me rend fou. C'est pas Edouard Mendy dans la cage. C'est vrai qu'on a beaucoup d'occasions depuis le début. Attention, ah là 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 là, et la deuxième occasion pour City. Oui, Bernardo dans un premier temps, Ben White dans un second. Smith Rowe va remplacer Odegaard et on est toujours dans cette rencontre. Allez, il faut aller chercher ce point, il nous récompenserait hein, vraiment. Bien joué Alvarado, belle défense, ah, rien du tout, ils sont fous là City. Le match qui commence vraiment à monter en température avec le public qui commence à demander beaucoup de choses et à contester notamment les décisions de l'arbitre. Bien joué Alvarado, excellent. Excellente entrée d'Alvarado au niveau de l'intensité. Nicolas Pepe, là il a du champ et ça il aime. Ça il aime Nicolas Pepe. Sous les sifflets de l'Etihad Stadium, Nicolas Pepe qui avait Aubameyang se libérer. Oh là 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 là, la sortie d'Ederson. Allez la relance. Celui-là Sterling.
À chaque fois, il me le fait sur contrôle orienté. Second poteau, bien joué, bien joué, bien joué, Gabriel. Alvarado maintenant. Ça va d'un camp à l'autre. Alvarado, Alvarado qui est passé. Alvarado toujours. Alvarado, Alvarado qui a craqué. Dommage. 83e minute de jeu dans ce palpitant Manchester City Arsenal. 5 minutes à jouer. Très très beau match de la part des Gunners, mais là c'est sûrement terminé avec ce deuxième but de Bernardo Silva. Quelle intensité dans cette rencontre, quel match de la part de mes Gunners. Je suis fier d'être l'entraîneur de cette équipe là aujourd'hui parce qu'on a vraiment fait un énorme match, pas la peine d'en rajouter. Messieurs City, quand on a autant de budget, quand on a une telle équipe, quand on se fait bouffer à ce point-là par une équipe et qu'on met le deuxième comme ça sur une contre-attaque en fin de match, pas la peine de faire une telle célébration, je pense en tout cas, hein, même si le but est très beau. Voilà, bien joué. Mais fier de mon équipe aujourd'hui, vraiment. C'est pas de défaite comme dans la carrière avec Sainté où on a vraiment mal joué. Hors jeu. Ah, il est pas hors jeu, d'accord. Attention, pas le prendre. Pas le prendre. Aïe, aïe, il est tout seul. Bien joué. Bien joué. C'est bon, on a tenu, on n'a pas pris le troisième, les amis. Défaite 2-0. Allez, Tchad Stadium aujourd'hui. C'était... Ouah, ça va, les mecs. Ah, faut arrêter 30 secondes. Hein. Sans déconner, faut arrêter 30 secondes. Quand tu vois le match qu'on a fait, quand tu vois la différence, l'écart sur le papier entre ces deux équipes-là et le scénario de la rencontre au final... Limite, c'est moi qui devrais être dans cet état-là, si on avait mis les buts. Ah, il me saoule avec ça, vous pouvez pas parler de l'excellent match que vient de faire mes 11 Gunners, là, sur le terrain, là. Incroyable. Il me saoule avec ça, cette question-là. J'ai une équipe qui a fait un excellent match. Ce match va-t-il entamer la confiance de vos joueurs? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Lui, on vient de perdre 2-0 à Manchester City, sur la pelouse de Manchester City, en faisant un excellent match. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je vais pas me livrer dans tes petits jeux là, c'est... Allez, bouge. Autre question là. Incroyable. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu veux? Le meilleur à gagner? Non, c'est une performance inacceptable. Non, on n'a pas pu poser notre jeu? Non, parce qu'on a pu le poser. Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Les trois réponses, c'est ridicule. Sans déconner. Ça m'énerve. Oh, cette interview-là, elle m'énerve. Le meilleur à gagner, c'est faux. C'est une performance inacceptable, c'est faux. On n'a pas pu poser notre jeu, c'est faux. Tu veux que je dise quoi? On va faire preuve d'humilité, on va dire le meilleur à gagner, même ça me saoule. Mais je vais pas dire que c'est une performance inacceptable, mais mes joueurs, ils me crament derrière. Mais c'est quoi cet entraîneur là? Il est fou quoi. Il fait tout ce qu'on lui demande, juste on n'a pas mis nos occasions. C'est ça que j'aurais voulu souligner. Le manque de réalisme de Lacazette et d'Aubameyang notamment devant. Mais c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Et même eux dans le jeu, ils ont été excellents en plus. Donc rien à la reprocher par contre. Mais monsieur là qui fait l'interview, va falloir repasser une formation ou réfléchir. Parce que là, c'était assez gênant. Surtout la dernière question et la question sur Montes aussi, elle commence vraiment à me saouler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. C'était vraiment un kiff. Je la kiffe bien, cette carrière avec Arsenal. En tout cas, ça démarre très très bien, je trouve, malgré la défaite à l'Etihad Stadium. Je trouve qu'on a très bien joué durant les trois matchs face à Brentford, face à Chelsea. Même si on s'est fait peur en fin de match et à l'Etihad. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça. Ça va être dur hein, physiquement de tenir pendant un an, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, encore une fois, sur ce rythme-là. Ça va être très compliqué. Donc sur ce, salut tout le monde et à la prochaine.